Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Manor Lord. On est toujours. Oh, il n'y a pas beaucoup d'animaux sauvages. Est-ce qu'on a des chasseurs actuellement? Non. Il y en a qui doivent mourir naturellement. Faut pas que ça s'épuise par contre, à mon avis. Et la musique est devenue plus forte, j'ai l'impression. Que ce soit trop fort pour vous non plus. Hop, on va dire que c'est bien comme ça. Alors, dans le dernier épisode, je ne sais plus trop ce qu'on a fait. On est sur blé là? Je croyais qu'on était sur lin. Ah oui, on finit la collecte. Très bien. Collectons, collectons. On avait fait une deuxième ferme au cas où je décidais à mettre plus de monde dans la deuxième ferme. Actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Transporte, la plupart transportent. Je pense que c'est bien. Alors, il y a un camp de bandits qui a été repéré. Je le savais, je le connaissais déjà. On a des petits moutons. Est-ce qu'on a quelqu'un pour s'occuper des moutons? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il guide un bœuf, il guide les moutons, il récupère des ressources. Alors, on a fini de sensible. Où ça? C'est celle-là que j'ai construite. Ah oui, j'ai rajouté les maisons, maintenant je me rappelle. Le tissage, on a de la laine et on a du fil. C'est dans le général. Fil teinture. De toute façon, on a du fil et de la teinture. Il me faut aussi un truc à toile. Je sais plus si lui est capable de faire de la toile. Atelier de tissage. Alors là, il y a de l'espace. Je sais pas si c'est possible de se caler. C'était industrie, atelier de tissage. Alors, moi je pense qu'il y a la place. C'est juste qu'il se met pas très droit, ça m'arrange pas, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a la place, on va retirer la roue pour une fois. Construction. Oui, il y a la place là par exemple. Speed un peu. J'ai plus de combustible. J'avais construit un autre ici. S'il vous plaît, dépêchez-vous de le finir. Je sais pas si c'est des buissons ou si c'est des arbres. Eux, ils abattent des arbres vachement loin. On a beaucoup de planches.
Je ne sais plus si j'avais mis en pause la fabrication de boucliers. Non, c'est en cours, très bien. On pourrait reprendre les lances. Et monter une maison au niveau 2. Pour l'instant, il n'y a personne. On va quand même l'améliorer au niveau 2. Les gens sont super contents. Je voudrais me faire un atelier d'arc. Sachant qu'actuellement, j'ai un stock impressionnant en miliciens. Super. Donc en fait, je pense que j'ai pas besoin de me relancer dans la fabrique de lances. J'en ai tellement. C'est loin d'être prioritaire. On a toujours les gens en combustible. J'ai envie de mettre deux familles. Pour l'instant, on a besoin des gens pour finir la collecte. On a plein de blé, le moulin tourne. Non, le moulin ne tourne pas. Ah, ils attendent d'avoir du grain, et pour l'instant, il n'y a pas de grain. Eh ben, vous allez les travailler là-bas. Hop. On va tâcher de ne pas trop manquer de bois. Ce marché, il approvisionne beaucoup de monde en à peu près tout. Cette maison là et cette maison là qui sont pas très bien desservies. C'est pour ça que j'avais construit ce marché là. Sauf qu'il alimente pas tellement mieux. Je pense qu'il n'y a rien dans l'étal. Ah, il y a des baies. Alors, il y a un autre souverain qui promène son armée, très bien. On a beaucoup d'argile, pas mal de teinture, beaucoup de peau, beaucoup de cuir. On a toujours un tanneur actif, non? On a beaucoup de cuir, est-ce que je peux pas... Je sais plus exactement qui... C'est pas vous... Non, vous pouvez pas faire des trucs plus intéressants, à mon sens. Alors, on fait des casques normalement. Treize casques, chacun. Il leur manque des vêtements matelassés. Je sais pas si je peux transformer le cuir en quelque chose. Ça c'est pour faire des armures et autre chose. Ah bah peut-être en chaussures justement. Mais qui a besoin de chaussures? Les soldats? Ça va être les villageois. Ouais, c'est ça, ça compte comme des chaussures, exactement comme les vêtements. Ça compte comme... Hop. Alors, peut-être que lui, du coup, je pourrais lui confier la mission où j'attends que lui soit amélioré. On va attendre un peu. Combustible, 66, ça monte. C'est une bonne nouvelle. On a du monde ici pour faire du transport. Ouais. Ça tourne bien. Alors ça, je l'ai déjà amélioré au max. Je pense qu'il faudrait que je fasse une fosse commune. Peut-être ici c'est pas très bien desservi, mais on s'en fiche.
peut-être qu'il faudra que j'améliore un cimetière. Il faudrait que je fasse une taverne aussi, mais d'abord, il faudrait que j'ai de quoi faire de la bière, sinon ça ne servira pas. Probablement une malterie. C'est normal, on n'a pas de charbonnière. Je vais faire une hutte de sylviculture parce que je sais pas exactement si les bûcherons ils sont capables de replanter tout seul ou pas. Alors on remonte en bois de chauffage, ça tombe bien. J'ai 400 pièces, c'est pas colossal. Nouvelle famille, très bien. Là ils sont montés au niveau 2, donc on peut leur demander de faire. Alors oui, il faut des maltes pour faire de la bière. On va demander des chaussures. Je voulais faire des arcs aussi. Est à nouveau réparti partout, quasiment. Oui, il y a à nouveau une maison au cœur manque. Mais... les vêtements, on est plutôt bon. On a plein de manteaux. Faudrait que je varie un peu. C'est pas lui, c'est lui. Pour ça, il me faut de la toile. Et de la toile, je crois que j'en ai pas. Parce qu'il faut que j'en aie. Avec l'atelier de tissage. You'll not find finer wares anywhere else. Les gens arrivent à passer ici, ça tombe bien. Alors, l'hiver tombe. Le champ a été collecté, nickel. L'année prochaine, vous faites du lin. J'espère que ça va bien être bien fonctionner. On va réduire. Ah, faut, non, faut du monde pour fabriquer du grain quand même. En bois de chauffage, on est redevenu plus large. Ça tombe bien. Petits moutons qui se promènent partout. On a 9 moutons. Les gens ont des. Ah non, ça c'est les chèvres, c'est normal. Je ne vois pas de. Ah si, ils ont des cerfs dans leur jardin. Ça tombe bien. Les besoins non satisfaits. Ça devrait aller. Je crois qu'il n'y a personne pour l'instant ici. Mais bon. On va bientôt avoir une cornerie. Super. Du combustible. Ok. And your home cozy. Well, perhaps it was simply a bad batch. These things do happen from time to time. Est-ce que ici j'ai mis des trucs en arrière? Non. Est-ce que je peux l'étendre? Oui. Est-ce que je ferai pas les arcs? Allez. On a du stock de planches en ce moment. Est-ce qu'on a encore des matières premières? J'ai plus de
terre. Ah. Et j'ai plus de minerai de fer. Ok. Donc, il va falloir se débrouiller avec nos armes actuelles. Bon, c'est pas très grave, on a un beau tas de lances. Je pourrais faire un groupe d'archers de plus. Et puis voilà. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'armure non plus qui sont fabriquées. Ah, mon mec est malade. Si vous m'avez fait du grain, c'est encore en cours. Il y en a beaucoup qui transportent quand même. Je pourrais faire venir du minerai de fer, théoriquement. On n'a pas beaucoup de berges en stock. On a d'autres types de nourriture. C'est léger quand même. On a le moulin qui tourne. Et on va re... La toile de teinture est en pause, c'est bien. On va remettre en action le four communal. En retirant quelqu'un. Au bois de chauffage, on va dire que un seul ça suffira. Faites du pain. Alors, une femme a rejoint la cordonnerie. Ah, il y avait personne, ouais. Bien approvisionné. C'est à côté la cordonnerie. Ah non, non. Oui, si c'est à côté. Là, c'est juste une sensive pour l'instant. Je me demande si je vais pas augmenter le. Peut-être que eux, on fera employer. Eux, ils sont niveau 2. Pas forcément pressé de les monter. Faut que je leur fasse une taverne avant de pouvoir monter au niveau 3. On pourrait mettre des chasseurs actuellement. Transporte. On va mettre des chasseurs. On va faire un petit boost côté nourriture où on est très léger. Le bûcheron, il a vraiment tout coupé autour de lui. J'espère qu'il replante. S'il replante pas, on va attendre la lutte de sylviculture. Il y a encore des bûcherons affectés là-bas, donc je pourrais leur dire d'aller travailler spécifiquement là par exemple. J'ai jamais vu les bonhommes en train de planter un arbre. Soit ils l'abattent, soit ils le taillent. Elle par exemple. Ah maintenant elle rentre à la maison. Ok. Ils m'ont pas mis d'étal de combustible, juste un étal de nourriture. Alors il y a des gens pour apporter du grain et pour faire du pain, très bien. On a moins un pain. On a beaucoup de, mais quand même, un peu léger. Là on est niveau 2. Les archeries. Carrots, cabbages, turnips. Armurerie, tailleur, menuiserie,
J'ai plus de maisons en fait qui attendent de nouveaux trucs à faire. Vu que les animaux ont bougé, je pourrais peut-être laisser une maison par là. Bon, elle sera un peu loin du marché. Je sais pas si ces maisons-là sont bien desservies. Pour l'instant, oui. Et je pense que c'est pas tant grâce à lui, mais bon. Peut-être que je me trompe. Mais actuellement, il a juste un étal qui contient que de la nourriture. Mais il y a des gens qui apportent des choses, ça c'est bien. Transporte bûche. Faudrait que je fasse peut-être même un entrepôt ici. Pour choper les bûches par là. Après, il n'y a plus grand chose d'intéressant au sud. Et je serais chaud pour rajouter encore des séries de maisons. Je pourrais mettre juste des sorciers, hein, tout simplement. Alors, ouais, mais pas trop près du. Alors ça nous fait une maison avec son extension. Vendu. Cette maison là elle est pas très bien desservie, donc je vais pas me presser d'en rajouter. Par là, comme ça ils vont nous virer ces arbres là. Au moins ils les auront bien exploités. Théoriquement ils vont travailler plus par là. On va voir ce que ça donne. Alors, sylviculture. J'ai plus tellement de gens libres en fait. Donc il faut à la fois plus de maisons et à la fois plus de nourriture pour pas que les gens meurent de faim. C'est un peu paradoxal. Alors la chasse ils ont fini. J'aimerais que vous me replantiez des arbres par là. On va voir ce que ça donne. S'ils replantent plus que ce qu'il y a actuellement. On va me déplacer. L'étal de bûche. Don't be shy, good sirs and ladies. Poor quality, you said. Impossible. Une série qui nous fait encore plein de planches. Plus que nécessaire d'ailleurs, on va retirer le bonhomme. Ils attendent. You'll not find finer wares anywhere else. Well, perhaps it was simply a bad leather. Donc il y a déjà trop d'art, c'est quoi le. Well, anything really. You'll not find finer wares. On va voir. Il y a personne qui semble vouloir labourer. Il y a qui fabrique des grains à partir du blé. Plein régime, le four tourne doucement. On va dire que ça va tant qu'on a une production de pain supérieure à ce qu'on consomme. Légumes, on est un peu léger aussi. Je pourrais refaire une maison avec un potager. Peut-être ici. Oula, je sais pas si j'avais la place pour mettre une maison ou pas. Sensible. Ici.
step right up and set. Là, qu'est-ce que ça donnerait? Un emplacement de maison. Et un emplacement d'extension. Allez, vendre. Ah, j'aurais pu faire sauter la route pour leur donner plus d'espace. C'est pas très grave. Ah, il me faut des bâtiments administratifs, c'est vrai. C'est-à-dire le manoir, en fait. Pour ça, il faudrait que j'ai un petit village. Pour avoir un petit village. Petite ville, quoi? S'installer là, reprendre un peu d'espace. Yeah! Bienvenue dans l'outil de conception de château. Ah, faut que je fasse mon château à côté. Dans ce cas-là, on va pas le mettre là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Là et après j'aurai plein d'espace pour m'agrandir derrière, mais c'est de l'espace où j'aurais bien aimé rajouter des maisons qui sont du coup relativement proches de ce marché. Ce qu'on va peut-être faire d'abord, alors j'ai un type qui a rejoint, il est bien approvisionné, ça tombe bien. On va agrandir un poil la route. Et on va rajouter des sensives. D'ailleurs, on va un peu je peux aller là sans que ça. Oh mince, j'ai coupé une section de route importante. Non, attendez, là, donc c'est bon. Je sais pas si je rajoute encore un marché. Je me dis que toutes les maisons que je suis en train de rajouter, elles sont soit suffisamment proches de ce marché, soit suffisamment proches de ce marché. Pour l'instant, il n'y a pas de bus ici. On va demander à eux. Ah, je peux pas leur demander d'aller spécifiquement à ce marché-là, j'ai l'impression. Bon, pour l'instant, on est bien desservi en tout, sauf un peu en combustible. Les vêtements, on a pas mal de stock. La nourriture, c'est léger, mais ça va. Et les bûches, on a vraiment pas beaucoup de stock ici. Mais il y en a quelque part. Ah, probablement un entrepôt. Ouais. Il y en a 35 arcs en stock. Des arcs et si possible des armures. Ok. Alors on va continuer nos constructions de maison. C'est de l'autre côté de la route. Pardon. Toc.
là ça va. Alors on va faire dans l'autre sens. On va prendre depuis ici jusque là-bas. Non, un peu plus loin. Pour avoir chacun un petit arrière, une petite arrière-cour. Moins de maison. Moins de maison. Alors on peut pas avoir d'extension là. Ah. On va mettre que 4 maisons avec extension. J'ai l'impression que c'est pas top. On va agrandir un poil le chemin. Why do I have the finest hides in all the land? Extension. Toi t'as une extension, j'ai pas l'impression. Des gros terrains pour rajouter une extension. On a 5. Toi t'as pas d'extension, c'est dommage. Parce que le terrain est un peu pendu. On va faire en plusieurs fois. Espérant gommer les défauts du terrain. Summer's coming soon, and soon beaten sight. Voilà, bon. Je sais pas si c'est tellement mieux. Mais en tout cas, c'est parti. Je crois qu'on est à 5 aussi, mais bon. Allez, c'est parti. Ça nous fait beaucoup de maisons. On va avoir plus de monde de disponible. Labour. Est-ce que quelqu'un est en train de labourer? Oui, nickel. Donc, une des idées, c'était... Potentiellement, je recommande un pistio. Hop. Et j'ajoute un poste de labourage. S'il vous plaît, faites-le moins rapidement. Donc voilà, on a rajouté une ligne de maison. Maisons qui sont censées être bien desservies. Est-ce que eux ils font quelque chose? Plantes. Ah. Si ça se trouve, cherche un lieu pour planter. Si ça se trouve, j'ai besoin d'une hutte pour leur dire où planter. On va changer. Je sais pas si les bûcherons le font naturellement. J'ai l'impression qu'il y a des petits arbres. Alors ici on a du monde, nickel, je voulais faire un potager. Hop, en profitant de votre grand arrière-jardin. Une nouvelle famille qui rejoint. Ah non, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure, très bien. On a pas mal d'animaux. Hop, c'est parti. Ah non, oui j'ai fait plus ici, c'était pas là que je voulais appuyer. C'est notre manoir. Je me pose toujours la question de où est-ce que je vais le laisser. Je pourrais le mettre là, il gênera pas beaucoup. Ou là carrément. Sachant que c'est une route celle-là que je pourrais pas casser. Donc il faut pas trop que j'empiète dessus. J'ai l'impression de. Oh là, là on a des ressources.
bien que j'en profite. J'ai l'impression que c'est un bâtiment qui va s'agrandir pas mal. Donc il faudrait que je le mette à un endroit le plus utile possible. Sachant qu'ici il y a des terres arables, je crois qu'il y en avait ici aussi. J'en ai pas trop profité. Après c'est encore possible, hein. Il y a une ferme et une série, mais à ce petit détail près. Ah, c'est pour ça que j'ai beaucoup de planches aussi, j'ai deux types qui sont à la série. Un seul ça suffira. D'ailleurs l'autre est désactivé aussi, mais ça ira. Il récupère de l'eau, il transporte. Je ne vois pas planter. Contrairement à eux, en théorie. Donc on va voir. Peut-être qu'il faut à chaque fois que je mette une hutte de sylviculture avec un bûcheron. La mine à ciel ouvert n'est pas exploitée pour l'instant, mais j'ai beaucoup d'argile en stock. Donc c'est pas tant un problème. On a énormément de farine et énormément de grains. Ici on a plein de choses, c'est bien. Ah, ils ont stocké le grain dans le grenier. À la fois c'est bien et à la fois c'est pas très bien, parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse des allers-retours avec le four communal. C'est-à-dire qu'ils les prennent à la ferme, ils vont les mettre au grenier, ensuite ils les prennent du grain, ils vont les mettre au grenier. Et ensuite ils prennent du four communal et ils vont les mettre au grenier. Bon. Bon, j'ai une fosse commune si besoin. Apparemment il n'y a que des brigands qui meurent et qui font des cadavres, donc c'est pas prioritaire. Ça c'est bon, on exploite. Bientôt avoir fini d'exploiter cette région, en fait, je peux encore agrandir les maisons, rajouter un marché, ou me dire que ces maisons-là, elles sont assez proches, soit de marché, de ce marché-là, soit de ce marché-là, et que ça ira. Elles ont une église. Il manque une taverne encore. Je peux la mettre très loin et ça pose pas de soucis. Ah, les orques sur l'église ils font à peu près rien du tout. Il y en a qui attendent, il y en a qui pillent un bœuf. Les gens qui sont à l'étable quittent des bœufs, très bien. Ici je laisse un cercle de bois, là-bas aussi. Ici pour l'instant il y a des animaux, s'ils sont un peu bougés. Donc. Ce serait malin d'y faire un champ par là. Donc ça a l'air très fertile. En même temps si c'est très loin, c'est peut-être pas top non plus. On va essayer de glisser un champ là. Ou alors on se contente du champ qu'on a là. On va même passer à l'orge après. C'est pas si pire. Murailles et portes, tour de garde, tour de guet, bureau de percepteur. Ah, pas mal. Cet outil permet de passer les murailles du château. Des portes sont créées automatiquement lorsqu'une muraille traverse une route. Je suis obligé. Ah, je vois.
va se laisser encore plus d'espace autour. Puisque c'est mon château entier que je vais faire. Ou alors je le mets là. Ou alors je le mets genre là. Ah, je sais pas, j'hésite. Je peux aussi le mettre là. Et faire une route ensuite. Alors j'ai le droit. Non, c'est trop loin des autres éléments. Mais est-ce que si je fais une tour de garde après, je peux l'étendre? Ah oui, nickel. Donc en fait, tour de garde accueille jusqu'à 10 unités en garnison. Les unités et les villageois en garnison tireront des projectiles sur les ennemis à proximité. Augmente la taille de la retenue maximale de 12 unités. Muraille et porte. Ok, je vois. Donc en fait, si je veux protéger mon village vraiment bien, faut que je mette des tours et tout. Commençant par mon manoir, qui du coup n'a pas tant besoin d'espace. Sachant qu'il faut quand même que je puisse faire un cercle. Zone village serait la plus intéressante à défendre, s'il y en a vraiment ou pas. Le cœur du village serait plus intéressant à défendre, mais par qui? Contre quoi? Je pourrais m'arranger pour mettre un petit mur en bas, pour toujours passer à travers le champ, parce que j'ai pas laissé d'espace, j'ai tout bien entassé. Je pourrais me mettre là, allez. Là par exemple. Alors tour de garde ou tour de guet, ça permet de faire plus de retenue, limité à une retenue par région. Elle est plus grosse la tour de guet. Installer comme ça par exemple. Un paquet, mais accès à la route obstruée. Hop. Comme ça là j'arrive à défendre tout le sud de mon village. Et même peut-être plus si. Comme ça. Ah non, c'est une maison, ça va pas passer. Je peux en faire une là et ensuite j'ai pas la place ici. Ah, ça me coûtait trop cher ça. J'espère que je peux rajouter des tours ensuite. Ah, ça c'est un peu de la ruse. Du coup j'ai pu les placer plus loin que prévu. Je pourrais les mettre dans la maison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Là j'ai ce qu'il faut pour construire. Muraille et porte, ça coûte juste des planches, donc je pourrais en faire un paquet. Est-ce que ça va faire migrer les animaux? Je pense pas. Je pense qu'on est bon sur ce point-là. Il veut peut-être pas parce que ça doit rester dans notre terrain. Ça reste dans notre terrain, donc on pourrait faire un truc du genre hop hop hop. Ah non, parce que là ça passe à travers ce bâtiment là. Il faut tout me construire d'un seul coup apparemment. Par contre ça va me limiter l'extension des maisons. Je devrais peut-être pas du coup. J'en ai trop, on va supprimer ces deux là. Je profite que le truc soit incomplet pour arriver à ruser et mettre des tours plus loin. Ah non, de toute façon je peux pas la bâtir celle-là. Parce que... Si je pouvais, ok. Espace pour glisser les maisons si on le souhaite. Enfin ça va pas être un truc très bien défendu. J'aurais dû faire un cœur de village bien défendu. En tout cas on s'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et à bientôt dans le suivant.